Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Aujourd'hui, on va être un peu sur l'ordinateur et je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'audio dubbing sous Premiere Pro CC, ce qui va vous permettre d'être vachement plus efficace dans vos montages. Allez, on va passer du côté obscur, du côté de mon ordinateur. Déjà, qu'est-ce que c'est l'audio dubbing? C'est ce qui va vous permettre de faire en fait des... Putain, comment dire ça? Qu'est-ce que c'est l'audio dubbing? Ça va vous permettre d'automatiser la gestion de votre son sur votre montage. Là, j'ai pris un épisode standard que je suis en train de monter. J'ai pas fait le voice-over, j'ai pris le voice-over d'un autre épisode. Et pour vous montrer un tout petit peu comment ça se passe. Donc j'ai ma timeline qui est ici. J'ai mes vidéos, j'ai ma musique et j'ai ma track de son. En général, ce que je fais, c'est que ma track de son, je la limite à moins 25 dB et j'ai une deuxième track que je limite à moins 10. Et la façon traditionnelle que je faisais, c'est... je vais faire des cuts. Donc ici, là, là. Ici. Paf, paf, paf. Et tout ce qui est ici, je vais le mettre à moins 10 dB. En fait, c'est là où il y aura la musique. Donc, voilà, j'ai la musique. La musique, elle baisse. De faire revivre cette plante. J'ai mon audio qui est mis. Alors d'ailleurs, mon audio, il n'est pas bon. Puisque je vais mettre un effet passe haut. Voilà. Je mets à 150 Hz. Et que je vais copier sur tous mes trucs ici. Planche électrique avec ses pieds en plastoc tout marave. Je commence donc par démonter les pieds. Et donc la deuxième chose que je dois faire, c'est d'aller sur chaque point d'entrée. Et en gros de faire un fade in, fade out. Donc. Voilà. Où je le mets à moins 10 dB. Si je reprends, je commence donc par démonter les pieds. Là, j'ai le petit fade in et j'ai le fade out. Dès que j'ai des... Le problème, c'est qu'en moyenne, j'ai à peu près une trentaine, entre 25 et 30 éléments de voice-over. Il faut que je fasse ça sur tout. C'est super chiant. Ça prend énormément de temps. Je vais revenir à l'état où j'étais avant. Voilà. À moins 10. Et je vais passer sur le côté audio. Vous voyez ici, il y a un petit truc qui s'appelle audio. Je vais cliquer dessus, ça va shifter un peu tous mes éléments. Et là, je vais pouvoir sélectionner ma bande son, qui est Volcano Trap, et je vais lui dire c'est de la musique. Voilà. Et ensuite, je vais prendre tous ces éléments-là, et ceux-là, je vais dire c'est du dialogue. Et donc, ici, on a une fonction qui s'appelle ducking, que je vais activer. Donc, il me dit ducking par rapport au dialogue. Je peux faire aussi du dialogue, je peux définir aussi des effets sonores, des éléments d'ambiance, etc., etc. Et je lui donne la sensibilité. Donc, ma sensibilité ici est à 6, réduction moins 18 dB, et les fondus, 800 millisecondes, donc 0,8 secondes. Et là, je lui dis génère-moi les images clés. Et vous voyez ici qu'en fait, il m'a généré des images clés. Qu'est-ce que ça a fait? On va réécouter ça ensemble. Donc là, j'ai la musique normale. Ma mission est donc... Il a baissé la musique. Cette planche électrique avec ses pieds. Mais elle est toujours là, à moins 18 dB. En plastoc tout marave. Je commence donc par démonter les pieds. Et la musique, elle revient. Donc toutes les choses que j'ai été obligé de faire manuellement, là, il le fait de façon automatique. Alors, c'est une fonction qui est juste géniale. Je vais juste faire CTRL-Z parce que ça me permet vraiment d'économiser beaucoup de temps. Donc quel est le principe? Je vais poser mes éléments de voice-over, je définis dans le panel audio le voice-over comme étant des dialogues, je définis ma musique, j'active le ducking, je génère mes clés et voilà. Et en gros,
ce qui moi me prenait à peu près au moins une heure, ici me prend 5 minutes grand maximum. Alors je sais que il y en aura plein que ça n'intéressera pas vraiment, mais c'est un élément, si vous faites un petit peu de montage, et si en particulier vous utilisez la suite Adobe comme moi, et en particulier Premiere Pro, c'est quelque chose qui va vous faire économiser énormément de temps. Moi, par montage, ça me fait économiser entre une demi-heure à une heure facile. Voilà, je voulais le partager avec vous. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire. Et évidemment, tu t'abonnes. Tu as envie de rejoindre le clan des barbutipeurs, de nos amis, qui d'ailleurs, que je vais inscrire ici, Torvast, JMC19, Downbox, Monsieur Clem, Simon, Alesque13, et chez moi, t'as un peu de pépette, et tu veux nous aider à faire des épisodes encore plus géniaux, et ben, tu peux aller sur le Tipeee et devenir un gentil barbutipeur, et comme ça t'auras ton nom comme les autres sur la vidéo. Voilà, c'est tout pour cet épisode spécial audio dubbing sur Adobe Premiere Pro CC, qui vous permet d'optimiser et d'aller vachement plus vite dans le mixage et dans la gestion des différents sons. J'espère que ça vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.